Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation du cours du chapitre 7 sur les transformations chimiques. Alors, les notions de cours seront présentées dans deux vidéos, et dans cette première vidéo, eh bien, on va vraiment présenter la description d'une transformation chimique. La deuxième partie, ce sera pour parler de la synthèse en chimie. Je passe pour l'instant sur les compétences, mais on les reprendra à la fin une fois qu'on aura vu les notions de cours. Je vous rappelle avant de commencer que vous pouvez aller voir la partie d'introduction avec les rappels de collège, et puis deux autres vidéos sur les expériences, l'expérience de l'activité expérimentale numéro 1 et puis de l'activité expérimentale numéro 2. Dans cette première vidéo, on va se concentrer sur le cours page 114, page 115, et donc on va voir les notions à connaître pour décrire une transformation chimique. Alors commençons par définir ce que c'est qu'une transformation chimique. Une transformation chimique, c'est le passage d'un système chimique d'un état initial à un état final avec formation de nouvelles espèces chimiques. Donc j'aimerais d'abord préciser ce que c'est qu'un système chimique. Alors qu'appelle-t-on un système chimique? Ce qu'on appelle un système chimique, en fait, c'est en général un mélange d'espèces chimiques qui sont dans un contenant et dont l'état est décrit en fait par différents paramètres. On va donner par exemple la formule chimique et l'état physique de chacune des espèces présentes dans ce mélange. On va donner aussi la quantité de matière de chacune des espèces chimiques présentes. Et puis enfin, on peut donner des paramètres comme la température, la pression, le pH ou d'autres paramètres. J'en profite pour préciser une chose. Pour ce qui est des états physiques de la matière, hein, vous trouverez écrit en petit à droite de chaque formule des espèces chimiques. Et un petit symbole, par exemple G pour état gazeux, petit L pour l'état liquide, S pour solide, ou H, ça c'est pour une espèce qui est dissoute dans de l'eau. Vous avez déjà vu la dissolution dans les chapitres précédents. Donc un système chimique, hein, c'est un mélange d'espèces chimiques, et ben, il peut se produire des réactions entre ces espèces chimiques. Et donc dans ce cas-là, la composition du système chimique va évoluer et va se produire une transformation chimique. Exemple de système chimique. Notre corps humain, hein, il y a des transformations chimiques qui se produisent à l'intérieur parce qu'il y a un mélange de plein d'espèces chimiques. Donc notre corps humain, c'est un système chimique, sa composition évolue au cours du temps, et on dit alors qu'il se produit une, en réalité même dans notre corps, plusieurs transformations chimiques en même temps. D'autres exemples, un morceau de fer qui rouille au cours du temps, ou si vous faites brûler un morceau de charbon ou un morceau de bois avec le dioxygène de l'air, eh bien la composition change au cours du temps. Donc pour symboliser ça en général, lorsqu'un système chimique passe d'un état initial à un état final qui est différent, on parle de transformation chimique, d'accord? Et on va symboliser ça tout simplement par eh bien, une petite case qui représente l'état initial, et puis une flèche qui va représenter la transformation chimique vers un état final. Ce genre de schéma est aussi représenté dans votre livre, page 114. Vous voyez bien ici l'état initial. Donc là, on aurait un mélange de ces trois espèces gazeuses dans une pièce ou même dans une bouteille qui contient du gaz. Et puis, la transformation chimique qui se produit. Et donc la composition qui change, puisque vous voyez, on n'a pas forcément la même liste d'espèces chimiques présentes à l'état final. Passons maintenant au petit B, où on va définir ce que c'est qu'une réaction chimique et écrire des équations de réaction. Alors j'aimerais préciser une petite chose à ce niveau-là, même si ce n'est pas la partie la plus importante de ce chapitre. C'est, attention, ne pas confondre les différents mots. Il y a du vocabulaire, il y a les mots transformation, réaction, équation de réaction. Donc on va ici juste relier les définitions à chaque terme. La transformation chimique, c'est le nom qu'on donne au phénomène d'évolution d'un système chimique d'un état initial à un état final. Réaction chimique, ça sera le nom qu'on donnera à la modélisation. D'accord? La réaction chimique, c'est la modélisation de l'évolution d'un système. Et l'équation de réaction, c'est simplement une écriture symbolique qu'on écrira avec la flèche. Et à ce niveau-là du cours, il est important de définir deux termes très importants, c'est les termes de réactif et de produit. Donc, au cours d'une transformation chimique, vous avez des espèces chimiques qui vont disparaître, qui vont réagir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les réactifs, et ce sont les espèces chimiques consommées. Leur quantité de matière diminue au cours de la transformation. A l'inverse, les espèces chimiques qu'on appellera les produits, ce sont les espèces chimiques qui vont se former. La quantité de matière de ces espèces chimiques-là, elle, va augmenter au fur et à mesure que la transformation avance. Et donc, ce que nous on appellera la réaction chimique, eh bien, ça va modéliser le passage des réactifs aux produits. Et
on va associer une équation de réaction à cette réaction chimique. Et dans cette équation de réaction, on fera apparaître seulement les réactifs et seulement les produits. C'est-à-dire que dans votre mélange, il peut y avoir des espèces qui sont spectatrices. Exemple ici, si vous faites brûler du méthane CH4 avec du dioxygène, et que vous faites ça dans l'air, c'est-à-dire que dans l'air il y a aussi du diazote, en fait le diazote ne participe pas à cette transformation chimique. C'est-à-dire qu'il est présent, il sera aussi présent à la fin, mais sa quantité de matière n'aura pas augmenté ou diminué, et donc on appelle ça une espèce spectatrice. Donc dans une réaction chimique, ou dans l'équation de réaction plutôt, on place toujours les réactifs à gauche de la flèche et les produits à droite. Et l'équation de réaction, qui est l'équation de la réaction, va traduire la conservation des éléments et la conservation de la charge électrique entre les réactifs et les produits. Je m'explique. Lors d'une transformation chimique, les atomes ne disparaissent pas. Ils s'arrangent ou se réorganisent juste différemment, mais les éléments se conservent. Prenons un exemple. Reprenons la combustion du méthane, qui est un gaz que l'on va brûler par exemple dans une gazinière. C'est l'exemple qui est utilisé tout le long dans le cours et qui est donné dans les rappels à la page 110. On étudie donc la transformation chimique de combustion du méthane. Voici une molécule de méthane. C'est un réactif et il réagit avec le dioxygène qu'on trouve en général dans l'air. Voici ici des molécules de dioxygène. La molécule de méthane dans la formule brute est CH4 et dont la formule développée est la suivante. Eh bien, il y a 4 liaisons simples entre le carbone au centre et les hydrogènes. Eh bien, au cours de la réaction de combustion, eh bien, ces liaisons vont se casser et l'atome de carbone va former d'autres liaisons. Là, par exemple, il va former des liaisons avec les atomes d'oxygène qui, eux, avant, faisaient des liaisons doubles entre eux, dans le dioxygène. D'autres liaisons se forment. Par exemple, ici, on aura formé une molécule de CO2. Donc, les espèces chimiques auront changé. D'accord, je n'ai plus de méthane CH4, j'ai maintenant une molécule de CO2, mais les éléments chimiques sont conservés. Un atome de carbone ici, du côté des réactifs, j'ai donc un atome de carbone du côté des produits. Donc, il y aura conservation des éléments pour chacun des éléments. Dans l'exemple que je viens de présenter juste avant, eh bien, on voit ici écrit l'équation de la combustion complète. D'accord ? Eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'il y a conservation pour chaque élément. Un atome de carbone ici du côté des réactifs, donc on a écrit en dessous 1C. Un atome de carbone du côté des produits, 1C. Pareil pour l'oxygène et pareil pour l'hydrogène. Par exemple, pour l'hydrogène, 4 hydrogènes, 4 fois l'élément hydrogène, 4H, eh bien, il faut qu'il y ait 4H de ce côté-là. Alors, si c'est des molécules, vu qu'on forme des molécules de H2O, eh bien, ce qu'on va constater, c'est que pour qu'il y ait forcément 4 hydrogènes de ce côté-là, en fait, c'est que des molécules de H2O, il y en a 2 qui sont formées. Reprenons la même transformation à partir de cette image-là. Vous voyez, des atomes d'hydrogène, il y en avait 1, 2, 3, 4. Donc, à la fin, je dois en avoir 4. Et forcément, ça veut dire que des molécules de H2O, eh bien, je n'en aurais pas formé une seule, mais j'en aurais formé 2. Et voilà. Ok ? Donc au cours de cette transformation, eh bien, je fabrique 2 molécules de H2O. Et pour faire apparaître dans l'équation de réaction qu'il y a 2 molécules de H2O qui sont formées, eh bien, je mets simplement un 2 devant. On appelle ça un nombre stoichiométrique ou un coefficient stoichiométrique. D'ailleurs, il y a aussi 2 O2, 2 molécules de dioxygène qui ont dû réagir dans cette réaction. Si je reprends l'explication à partir de cette image, vous voyez qu'il faut eh bien, 2 molécules de dioxygène. En fait, s'il y en avait une seule, je ne pourrais pas former tout ça. Donc, 2 molécules de dioxygène du côté des réactifs, et donc un coefficient stoichiométrique de 2. Et là, si je fais le compte pour chacun des éléments, je vois bien qu'il y a autant, par exemple, d'oxygène. Vous voyez, il y en a 2 fois 2, 4 oxygène du côté des réactifs. Et 2 fois 1, ça veut dire 2 oxygènes ici, et 2 oxygènes là, ça fait 4. Donc il y a bien conservation des éléments. Et puis il y aura aussi conservation des charges électriques. Ici, c'est globalement neutre, et là aussi. Je vous laisse pour ça regarder le deuxième exemple dans lequel il y a des charges électriques qui apparaissent. Et rajoutons une chose que... Quand le coefficient stoichiométrique est de 1, en fait, on ne l'écrit pas. D'accord ? Un nombre stoichiométrique de 1 n'est jamais écrit. Alors, il est très important de savoir équilibrer une équation de réaction, c'est-à-dire savoir trouver les nombres stoichiométriques.
Pour ça, je vous invite à regarder, vous avez juste en dessous, la méthode qui permet d'ajuster l'équation de réaction. On va la regarder vite fait ensemble. Mais surtout, il faut que vous alliez voir la vidéo du livre numérique « Équilibrer une équation ». Donc cette vidéo du cours est vraiment très importante et je vous invite vraiment à aller la regarder et bien la comprendre. D'accord ? On vous explique les règles à respecter. Il faut absolument respecter la conservation des éléments et de la charge électrique. Il est donc nécessaire parfois de rajouter des nombres stoichiométriques. Et donc vous avez tout un raisonnement qui est expliqué. La réaction de l'oxyde de magnésium solide et le... Notamment sur l'exemple de cette réaction-là. Ok, je vous laisse regarder ça. Faisons le décompte des éléments chimiques. Donc revenons sur la méthode à suivre pour ajuster ou équilibrer une équation de réaction. Ce que vous devez faire avant cette première étape, hein, l'étape 0, c'est d'abord de bien identifier qui sont les réactifs, donc on les écrira à gauche, et qui sont les produits, on les écrira à droite. Parce que si on se trompe déjà là-dessus, on va forcément se tromper dans l'écriture de l'équation de réaction. Ensuite, eh bien, on va regarder chaque élément un par un, et on va essayer d'équilibrer. Par exemple, dans la première étape, il cherche à équilibrer l'élément carbone, un carbone là, c'est déjà équilibré. L'hydrogène, il y en a 4 ici, et vous voyez, ils ont dû rajouter un 2 ici, pour que 2 fois 2, 4. Et puis après, on équilibre l'élément oxygène. Alors parfois, quand vous équilibrez un élément, vous déséquilibrez un autre. Donc il faut, sans cesse, il faut éventuellement revenir en arrière et puis trouver la bonne combinaison. Comme c'est expliqué dans la vidéo, vous verrez. Et pour être certain que vous maîtrisez cette compétence, établir l'équation d'une réaction et savoir l'ajuster, faites les exercices 7 et 8, page 123. Vous avez à ajuster ou à équilibrer les équations de réaction de difficulté croissante. Voilà pour la partie B, qui est une partie vraiment importante. D'accord ? Maintenant, on va passer au petit C et parler des bilans de matière et de la notion de réactif limitant. Alors, je vous renvoie vers la vidéo du livre, d'accord, qui explique la notion de réactif limitant, et on va ajouter quelques éléments d'explication. Donc il est important que vous compreniez qu'une équation de réaction, ça traduit un bilan de matière. Regardez dans cette équation de réaction, ça me dit quoi ? Ça me dit que une molécule de méthane réagit avec deux molécules de dioxygène pour donner une molécule de CO2 et deux molécules d'eau. Si c'était 1000 molécules de méthane, alors elle réagirait avec 2000 molécules de O2. Elle formerait alors 1000 molécules de CO2 et 2000 molécules de H2O. D'accord ? Donc avec les coefficients stoichiométriques devant, là, les nombres stoichiométriques, on a les proportions. Alors pour illustrer ce bilan de quantité de matière et la notion de réactif limitant qu'on va introduire en dessous, eh bien, je vais utiliser une petite animation qui va présenter les choses d'une façon similaire aux exemples qui sont donnés là. Sur cette animation dont vous trouvez le lien web ici, eh bien, les espèces A, B, C et D, ça représente les espèces le CH4 ici, le O2, ici le CO2 et ici le H2O. Vous voyez, j'ai mis les mêmes nombres stoichiométriques, 1, 2, 1, 2. Ok. Donc, il est important d'ici de rappeler une chose, c'est que en seconde, on étudie les transformations qui sont des réactions qu'on appelle totales. Ça veut dire que la réaction peut se faire tant qu'elle peut continuer à avancer. Alors je vais vous illustrer ça. Ça, c'est un petit paramètre qu'on appelle l'avancement, que vous verrez en première. Au cours de la réaction, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ici que la quantité de matière... Alors, excusez-moi, j'ai oublié d'introduire. Ici, vous pouvez définir des quantités de matière, c'est-à-dire la quantité de matière initiale que vous avez de l'espèce A, le CO2, la quantité de matière initiale que vous avez de l'espèce B, le O2, et puis initialement, vous pouvez dire que vous n'avez aucun des deux produits. Et plus la réaction va avancer, plus la réaction va se faire, même si ça peut être très rapidement, et plus la quantité, vous voyez, des réactifs ici diminue et la quantité des produits augmente. Et ça s'arrête quand ? On constate que ça s'arrête en fait quand l'un des deux réactifs est totalement consommé. La réaction ne peut plus continuer à se faire s'il y a un des réactifs qui a totalement disparu. Dans ce cas-là, ce réactif, eh bien, c'est ce qu'on appellera le réactif limitant, parce que c'est lui qui limite l'avancée de la transformation chimique. S'il reste que du méthane, mais qu'il n'y a plus de dioxygène, la réaction ne peut plus continuer. Donc cette petite animation illustre très bien le concept de réactif limitant. C'est le réactif qui est entièrement consommé, et c'est ce qui fait qu'on atteint l'état final. Au bout d'un moment, là dans ce premier exemple, c'est le CH4 qui vient à manquer en premier. Alors je vous renvoie à nouveau vers la vidéo de cours sur
réactif limitant. Et dans cette vidéo, on vous explique bien, eh bien comment on fait pour déterminer qui sera le réactif limitant. Étudions la réaction. Dans cette vidéo, un petit peu plus loin, on vous fait étudier différents cas. Par exemple, un cas où il y a une mole de l'un et 4 moles de l'autre. Et vous voyez la même animation que ce que je vous ai présenté avant. La réaction cesse lorsque l'un au moins des réactifs est totalement consommé. Voilà. La réaction cesse lorsque l'un au moins des réactifs est entièrement consommé. On l'appelle le réactif limitant. Alors dans cet exemple-là, vous pouvez être dans trois situations différentes. Ça peut être ou bien lui le réactif limitant, ou bien lui, ou bien les deux en même temps. Alors ça va dépendre de plusieurs choses. En fait, ça ne dépend pas seulement de la quantité de produit que vous mettez. Par exemple, je peux mettre 2 moles de ça et 3 moles de ça. Donc on pourrait se dire, 2 moles de ça et 3 moles de ça, on pourrait se dire que ça va être lui le réactif limitant, il y en a le moins. Alors regardez, ben, au cours de l'avancée de la réaction, à la fin, c'est quand même lui le réactif limitant. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire attention aux coefficients stoichiométriques. À chaque fois que vous faites réagir une molécule de ça, vous en consommez 2 de ça. D'accord ? Donc lui, en fait, se consomme plus vite. Vous voyez ? Hop, il est plus vite consommé au cours de la transformation. Donc ça dépend des quantités de matière initiale, mais aussi des coefficients stoichiométriques. Dans le cas que je viens de vous présenter, le réactif limitant ici, c'est l'espèce B. Ok ? Si je change les valeurs et que je mets initialement 2 moles de A et 5 moles de B, eh bien, ce qu'on va voir, c'est que dans ce cas-là, même si le B est consommé deux fois plus vite que le A, eh bien, le A vient à manquer en premier. Donc cette fois-ci, c'est le A, le réactif limitant. Et dernière situation, eh bien, il se trouve que si je mets les quantités de matière 1 et 2 qui correspondent en fait aux mêmes proportions que les coefficients stoichiométriques, 1 et 2, eh bien, ce qu'on constate, c'est qu'à la fin, les deux sont réactifs limitants en même temps. Ça, c'est un cas particulier. On dit dans ce cas-là que les réactifs ont été mélangés dans les proportions stoichiométriques. On appelle ça un mélange qui est dit stoichiométrique. Et je vous renvoie à nouveau dans la vidéo de cours pour savoir si vous êtes dans le cas où c'est A le réactif limitant, B, ou si ce sont les deux en même temps. D'accord ? Pour ça, vous avez un critère qui est bien expliqué. Ça dépend des quantités de matière initiale des réactifs, mais aussi des coefficients stoichiométriques A et B. Pour vous assurer que vous avez bien compris ça, lisez bien le réflexe 2 et page 120, et puis regardez l'exercice résolu 1, page 120, et même vraiment en bon entraînement, faites les exercices 9 et 10, page 123. Et enfin, pour finir cette première vidéo sur les notions de cours, eh bien, un peu de vocabulaire, la définition des termes exothermiques et endothermiques. Retenez que des transformations chimiques s'accompagnent en général d'un transfert d'énergie. Donc si une réaction chimique libère de l'énergie vers un milieu extérieur, alors ça va entraîner une augmentation de température du milieu extérieur, et on dit que la transformation est exothermique. Comme par exemple, la réaction de combustion du bois, ça dégage, ça libère de l'énergie et ça va faire chauffer l'air autour de nous. A l'inverse, une transformation chimique est endothermique si le système chimique reçoit de l'énergie du milieu extérieur, et donc ça va avoir pour effet de refroidir le milieu extérieur. Voilà pour les termes exothermique, endothermique. Cette partie-là, eh bien, ça termine le grand 1 du cours sur les notions de base sur les transformations chimiques. Maintenant, une fois qu'on connaît tout ça, eh bien, il est important de comprendre que les chimistes utilisent tout ça pour ensuite synthétiser, faire des transformations chimiques et synthétiser ou bien des nouvelles espèces chimiques ou bien des espèces chimiques qui existent dans la nature. Je vous renvoie vers la vidéo suivante. Mais avant ça, allons voir vite fait les compétences que l'on a acquises dans cette première vidéo de cours. Donc sur les compétences données page 109, vous savez maintenant établir l'équation d'une réaction et savoir l'équilibrer, l'ajuster. Il faut savoir identifier un réactif limitant à partir des quantités de matière initiale des réactifs et des coefficients stoichiométriques, d'accord, ou à partir de l'identification des espèces chimiques présentes à l'état final. Vous devez être capable de modéliser, c'est-à-dire d'écrire une équation de réaction, par exemple pour la corrosion d'un métal par un acide. On a vu ça, non pas dans le cours, mais dans, vous allez voir, la vidéo de la première expérience. Et puis, enfin, suivre l'évolution d'une température. Ça, c'est la deuxième vidéo d'expérience qui permet de montrer si une réaction est endothermique ou exothermique. Voilà pour les compétences de cette première partie du cours. Les compétences qui sont juste à côté, elles, sont directement liées
à la vidéo suivante sur la synthèse. Donc, suivez le lien sur la vidéo suivante.